Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous avez le son. Bonsoir tout le monde. Normalement, vous devez avoir le son cette fois-ci parce que je n'ai pas oublié de désactiver mon micro comme d'habitude. Vous devrez avoir le son. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les habitués. Bonsoir par ordre d'arrivée. Bonsoir Medouin, la coordinatrice culturelle. Bonsoir Karen McCoy. Bonsoir Edith de Yokadouma. Ça va beaucoup vous intéresser, Edith de Yokadouma, parce qu'aujourd'hui, on va parler du maquis de Mulundu. Bonsoir Sylvie Noël. Bonsoir Valérie. Bonsoir Mich, Michelina Camarouès. Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Joyeux anniversaire. Bonsoir Moïse et Tundi. Bonsoir Ernest Ounouk. Bonsoir Julien Nga. Bonsoir l'homme qui gêne, Jean-Jé Digan. Vous ne gênez pas beaucoup dès que vous êtes courtois et que ça n'est jamais une gêne. Bonsoir ma fille, Isis Meyon et Tundi. Bonsoir David Okomono. Vous savez que, comme d'habitude, on n'aime pas beaucoup faire attendre ici avant que l'émission ne soit lancée. Et même s'il faut quand même attendre un tout petit peu pour que les gens se connectent, nous, on préfère avoir un timing qui n'est pas comme un direct. Une diffusion comme un direct standard, parce que d'ailleurs nous on n'est pas un direct standard. Je rappelle à tout le monde que nous on n'a pas de limitation de diffusion. On pourrait diffuser 24 heures sur 24 sur n'importe quelle plateforme avec les outils qu'on a. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. Et nous, on a pour projet notre projet qui est d'ailleurs connu de tous, qui est upgrader le système pour en arriver à des outils très performants. Bonsoir Nella La Sardinade qui vient d'arriver. Bonsoir Juliette Coting. Bonsoir Roger Salomon-Ba. On est encore à l'introduction, comme je dis souvent. Nous, on essaie de ne pas trop faire attendre avant de commencer l'émission, tout en sachant que les gens peuvent regarder après. Et c'est un objet culturel qui devrait intéresser tous les Camerounais. On essaie alors très souvent de respecter le timing, c'est-à-dire commencer à 21h, 21h05. On attend un peu en faisant un peu de distraction, comme je suis en train de faire là. Je dis bonjour à toute la famille pendant que Monsieur Eno est sagement en régie, en train d'attendre de rentrer en scène. Donc, après ces préalables bonsoir nécessaires, j'étais en train d'expliquer que nous essayons d'avoir une plateforme qui. Nous, on a une plateforme qui peut diffuser 24 sur 24, on n'a pas de limitations dans le temps, et on essaye d'avoir des timings. Évidemment, ça ne cadre pas trop avec les diffusions en direct sur Facebook, mais on va essayer de fidéliser la clientèle pour que les gens sachent que c'est à 21h que Archives à l'appui commence. Et en attendant qu'on lance Archives à l'appui, je vais vous proposer un tout petit jingle avant de commencer l'émission à proprement parler. Encore une fois, bonsoir. Comme tous les mercredis soirs, nous avons rendez-vous avec notre histoire. Comme tous les mercredis soirs, on essaie d'en connaître un peu plus sur ce que nous sommes. Et à cet effet, on a fait appel à un éminent intellectuel camerounais qui
a pris la peine de synthétiser beaucoup de choses afin de pouvoir nous présenter ça de façon digeste, de façon à ce qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, il va parler du maquis de Mulundu. Figurez-vous que je ne savais même pas que ce qu'on a appelé le maquis au Cameroun était scindé en quatre maquis. Je l'ai appris ici. Je savais qu'il y avait un maquis, mais je ne savais pas qu'il y avait quatre maquis bien différents. Vous voyez l'intérêt de venir apprendre un peu plus souvent avec notre illustre invité. Donc j'ai appris comme vous, moi, quand j'entendais maquis, je savais qu'il y a eu un maquis chez les Bassa. Et puis on parle beaucoup plus souvent du maquis qu'il y a eu à l'ouest du Cameroun, avec les tueries qu'il y a eu là-bas. On oublie très très souvent qu'il y a eu aussi beaucoup de tueries chez les Bassa. Et tout le monde se souvient d'ailleurs d'André-Marie Mbida dans les régions Bassa en train de demander aux Bassa de sortir du maquis. On parle très très peu souvent du maquis de Djoum et encore moins du maquis de Mulundu. Voilà. Dans les précédentes émissions, le maquis de la Sanaga, qui était le maquis de la région Bassa, nous a été proposé, vous vous en souvenez tous. Et puis une émission beaucoup plus tard, le maquis de l'Ouest nous a été proposé. Vous vous en souvenez tous aussi. Et puis ce soir, notre illustre invité est encore là pour nous présenter le maquis, cette fois-ci, de Mulundu. Je disais donc que il va nous, notre invité, qui est déjà à l'antenne maintenant, parce que moi je le vois déjà à l'antenne. Bonsoir, monsieur Hainaut. Bonsoir. Ravi de vous Mais avoir. j'arrive pas à faire le retour pour là. Normalement, vous devez déjà l'avoir. Ah, vous voulez que je vous envoie le lien? Oui, il faut m'envoyer le lien, même Par par quel moyen? Messenger, ce serait bien. Par Messenger, c'est bien pour moi. Ok, d'accord. Voilà, donc je vais chercher ce lien-là. Je vais chercher le lien par Messenger. En attendant, voilà où je suis. Voilà, j'y suis déjà. Voilà, je l'ai. Donc, je vais l'envoyer par Messenger. Excusez-nous quelques instants, j'envoie juste le lien à Monsieur Hino par Messenger. Pendant que je prends une bouteille d'eau. Oui, il nous abandonne quelques instants. Il prend un peu d'eau. Je recherche son contact Messenger. Je recherche son contact Messenger pour. Où est le contact Messenger? J'aurais dû préparer ça un peu à l'avance. Voilà, c'est fait. Et c'est fait là. Normalement, vous devriez l'avoir là. Essayez si ça marche. Je vous envoie le lien par Messenger. Le lien de l'émission. Bon, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé. Ah, d'accord. Alors ça va. Donc, je rebaisse cette fenêtre. Voilà, normalement, vous avez le lien par mission. Très bien. Donc, j'étais en train de dire que le temps de trouver le lien et de l'envoyer, j'étais en train d'expliquer que voilà ce soir, bonsoir Monsieur Hainaut encore une fois, vous allez nous parler de ce célèbre maquis que moi dont j'ignorais d'ailleurs l'existence, le maquis de Mulundu. Oui, il y a eu quatre maquis au Cameroun. Nous en avons déjà parlé. Il y a eu le maquis de la Sanaga Maritime. Ça a été le premier.
Il y a eu le maquis de l'Ouest, qui a été le second. Et un troisième maquis s'est déroulé dans l'Est du Cameroun, le maquis de Mulundu. Et enfin, un quatrième maquis s'est déroulé dans le sud, à Djoum, dans la ville de Djoum, enfin, la campagne avec la frontière, en allant vers la frontière du Congo. C'est là la ville de Djoum. Donc, ces quatre maquis ont profondément marqué la politique camerounaise, dans ce sens que toute une classe d'hommes politiques s'était convaincue que la seule manière d'accéder au pouvoir était de recourir à la guérilla. Donc, c'était un peu l'esprit des années de l'indépendance, puisque nous étions encore dans l'esprit de la décolonisation. On venait d'assister à la victoire du FLN, qu'on appelle ça en Indochine, du Front de Libération Nationale, en Indochine, avec Ho Chi Minh, et la guerre d'Algérie battait son plein. Donc, nous étions un peu, tous les peuples colonisés étaient dans cet esprit de conquérir le pouvoir par la guerre. Et il faut aussi voir que les gouvernements ne nous facilitaient pas la tâche. Il n'y avait pas véritablement de démocratie, d'élections comme aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment difficile. Donc, cela a amené les gens à se focaliser uniquement dans l'esprit de pouvoir par les arbres, par le maquis, par la forêt. Moi-même qui vous parle, lorsque je suis arrivé étudier en France en 1975, après mon baccalauréat, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai grandi aussi, à savoir que il faut passer par le maquis pour conquérir le pouvoir. C'est sans le maquis, on ne peut pas prendre le pouvoir. Donc, ça a été une conception qui a dominé l'action politique camerounaise. Bon, aujourd'hui, les choses ont changé, ce n'est plus cela. Donc, on a déjà parlé du maquis de la Sanaga-Maritime. C'est plus la peine de revenir là-dessus. On en a longuement parlé. Il faut maintenant que l'on enchaîne avec le maquis de Mulundu. Ou le maquis de Mulundu. Pour en parler, il faut que l'on revienne sur celui de, comment on appelle ça, de l'Ouest. Parce que le maquis de Mulundu, c'est dans la continuité du maquis de l'Ouest. C'est dans sa continuité. Donc, si le maquis de l'Ouest avait réussi à renverser le régime, à prendre le pouvoir, je pense qu'il n'y aurait pas eu le maquis de Mulundu. Je le pense. Mais il n'est pas parvenu à prendre le pouvoir et l'UPC s'est engagé dans un nouveau maquis, le maquis de Mulundu. Voilà un peu son origine. Et le maquis de Mulundu aussi, on le verra plus tard, a été le générateur du maquis de Djoum, dans ce sens que son échec a servi d'enseignement pour créer le maquis de Djoum. Voilà à peu près la chronologie des maquis. Donc, premier maquis, Sanaga-Maritime, à partir du 23 décembre 1956, en contestation du fait que l'UPC n'avait pas été autorisé à participer à ce scrutin décisif pour l'histoire du Cameroun, le scrutin du 23 décembre 1956, donc maquis de la Sanaga-Maritime, premier maquis, deuxième maquis, celui de comment on appelle ça, de l'Ouest Cameroun, qui était en fait dans la continuité de la contestation du scrutin du 23 décembre 1956. Donc ces deux maquis sont vraiment intimement liés. Ils partent des élections. Ça, ce sont des maquis, comment dire, générés par le scrutin du 23 décembre 1956. Ça, c'est le maquis de la Sanaga-Maritime et le maquis de l'Ouest. Bon. Mais les deux autres maquis sont plutôt bon, dans la continuité, mais beaucoup plus dans l'esprit maintenant de prendre le pouvoir différemment. C'est-à-dire que bon, l'indépendance est déjà là.
Il faut changer du discours, on continue à dire le néopluralisme et tout, mais c'est déjà une autre façon de conquérir le pouvoir. Comment donc s'est né le maquis de l'Ouest ou bien pourquoi est-ce que le maquis de l'Ouest a engendré le maquis de Mulundu? Voilà la question à laquelle nous allons répondre avant d'entrer pleinement dans le maquis de Mulundu. Bon, on ne revient plus sur l'impénaissance du maquis de l'Ouest, ce serait trop long, on avait abordé ça la dernière fois, c'est plus nécessaire, ça va nous tirer en longueur. Attendez, je crois que j'ai diminué, qu'il n'y ait pas d'écho. En tout cas, nous, on n'entend pas l'écho. Hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ok, donc, le maquis de l'Ouest... on en a beaucoup parlé, mais il a entré, on va dire, deux branches. Donc, il y avait une sorte de branche intérieure qui était donc constituée, comme nous l'avons dit la dernière fois, à partir de mai 1959, a été créée après la défaite de l'ONU, la défaite de l'UPC à l'ONU, qui voulait qu'on reprenne le scrutin du 23 décembre 1956. Mais l'ONU n'a pas accepté et aussi, l'ONU a quand même accepté l'amnistie générale et puis l'ONU a entériné la date du 1er janvier 1960 comme jour de l'indépendance conformément à la résolution de l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, l'ALCAM. Donc, après ce non-succès à New York, à la session spéciale des Nations Unies sur le Cameroun, l'UPC a décidé de créer ce qu'ils ont appelé l'Armée de Libération Nationale Camerounaise, ALNK. Ils ont pris un peu l'appellation qui était à la mode à l'époque. Elle avait commencé par Ho Chi Minh, avec le FLN, Front de Libération Nationale, Ho Chi Minh en Indochine. Puis les Algériens sont arrivés en 1954, avec le FLN, Front de Libération Nationale. Vous savez que la guerre d'Algérie s'est déclenchée le 1er novembre 1954. C'est là que les Algériens ont déclenché la guerre. Et enfin, les UPCistes, quant à eux, ils ont donc pris l'Armée de Libération Nationale Camerounaise, ALNK. Ils l'ont créée au mois de mai 1959, avec pour mission, je tiens les mots d'ordre de l'époque, que bon, on va créer une situation telle que l'indépendance, la proclamation de l'indépendance du 1er janvier 1960 n'est pas liée. Donc après, voilà les raisons d'être de la création de l'ALNK, l'Armée de Libération Nationale Camerounaise. Ce qui fait qu'on a assisté à une recrudescence des attentats phénoménales pour contrecarrer la proclamation de l'indépendance du 1er janvier 1960. Bon, l'opération n'ayant pas réussi, le nouvel mot d'ordre que Mounier et Wandier ont adopté depuis le Caire a été de rendre le pays ingouvernable. Ça, c'était une résolution de janvier 1960 de Mounier et Wandier. Que bon, comme on n'a pas, comme les fantoches ont réussi à s'emparer du pouvoir, on va donc rendre le pays ingouvernable et puis il n'y aura pas d'investisseurs et la communauté internationale, bon, ce n'était pas le terme qu'on utilisait à l'époque, mais sera amené à accepter le fait que l'on reprenne les élections. Et que, auxquels nous serons conviés. Évidemment, ça n'a pas marché. Donc, le maquis a pris corps à l'Ouest de manière très forte. Nous revenons donc, il y avait un maquis à Bamenjou qui était dirigé par un monsieur appelé Napoléon. C'était, bon, les gens prenaient des noms comme ça. Il était accompagné d'un autre monsieur appelé, qui s'appelait Armatan. Il y avait aussi dans ce maquis, toujours parmi les noms qui contrôlaient le maquis, il y avait un certain Mangua Félix, une femme appelée Ngemele Hélène, un monsieur Mbouni, et un autre Dépola. Voilà les gens qui commandaient le maquis de Bamenjou. C'était un maquis très puissant à l'ouest. Bamenjou. Il y avait l'autre maquis, le maquis des Bamboutos. Bamboutos, c'est un Bouddha. Celui-là atteignait Bazou, c'était un peu comme ça qu'il s'est. Il contrôlait les bambous tous et ils allaient distribuer jusqu'à Bazou, qui est une chefferie pas loin de Bagante. Bon, celui-là était dominé par un certain
André Congo, qui serait aussi appelé Sans Fou la Guerre. C'était le surnom que les gens connaissaient comme ça. Et évidemment, le célèbre chapeau dynamique dont le nom était Nganjeu, qui s'appelait Nganjeu. Voilà donc les chefs de maquisards de l'époque. Bon, j'utilise le terme maquisard pas en termes péjoratifs, hein. C'est le terme qu'eux-mêmes s'étaient donné. Hein. Ils se faisaient appeler maquisards parce que, par exemple, les Algériens, les Felada en Algérie, se faisaient appeler les maquisards. Et même les Français, quand l'Allemagne avait envahi la France, les Français qui contestaient la présence allemande se faisaient appeler maquisards. Donc, c'est par la suite que le terme est devenu péjoratif, négatif, mais il se faisait appeler maquisard, donc je reprends l'expression de l'époque. Moi, je la reprends sans connotation quelconque. Donc, autre maquisard, il y avait évidemment dans la ville de Bafoussam maintenant, il y avait deux grands noms. Il y avait Momopole, et puis Singap Martin. Singap Martin, qui avait été désigné comme le chef de l'armée de libération nationale camerounaise, ALNK. C'était Singap Martin. Lorsque, bon, Momopole et Singap ont été tués, c'est là que Oundé, et puis avec la mort de Mounier en 60, Oundé est arrivé au Cameroun, Oundé Ernest, il s'est installé dans le Moungo, au Mont Coupé. Bon, dans la région du Mont, dans la zone du Mont Coupé. Mais dans le Moungo, il a trouvé Tankenoué. Le Tankenoué, c'est la Tankenoué qui régnait là-bas, et un autre chef maquisard qu'ils ont appelé Mitton David. Mitton David, donc. Oundé, lui, était dans le Mungo, dans le Mont Coupé, et Tankenoué dans le reste du Mungo. Je dois vous rappeler que le maquis dans le Mungo était extrêmement violent. Vraiment, le maquis, je peux même dire qu'il a été le plus violent du Cameroun. Parce que là-bas, c'était autre chose. C'était vraiment. Les fonctionnaires avaient chaud dans le Mungo. Beaucoup de fonctionnaires refusaient même les affectations dans le Mungo à cause du maquis. Donc, comment est-ce que opérer le maquis à l'époque, ils agissaient en groupe. C'est-à-dire que les attaques, ils venaient 300, 400 personnes. Les archives nous apprennent que la plus grande attaque a été celle de Foreke, du quartier Foreke à Tcham. Elle avait regroupé 600 maquisards. 600 maquisards sont descendus dans la chefferie Foreke à Tcham. Et le bilan a été de 83 personnes tuées, que ce que les maquisards ont fait à Tcham, dans la forêt. Il y a eu aussi là-bas l'attaque de Bangoua le 6 mai 1960. Bangoua, là c'était 400 personnes. Vous connaissez le peuple de Bangoua. Bangoua, c'est un peu avant, quand on quitte Banganté, on va vers Bafoussam. Bangoua, c'est un peu avant Bayangam et autres. Donc il y a attaque de Bangoua. Il y a eu 400, ils avaient recoupé 400 maquisards. Ils sont tombés sur Bangoua. Ça s'est soldé par près de 62 morts. Bangoua est très célèbre dans les actions des maquisards. Il y a eu, évidemment, un peu avant, il y a eu Batcham, il y a eu Bayangam, il y a eu pratiquement tous les. Bafang a été attaqué au mois de février. La ville de Bafang a été attaquée au mois de février 1960 par les maquisards, il devait être aussi 300. Ils sont allés jusqu'à l'hôpital, ça a été terrible, l'attaque de Bafang, elle est aussi dans l'histoire. Il y a eu l'attaque de Bazou, l'attaque de Bazou. Je dois rappeler l'attaque de Foreke, c'était l'œuvre de Château Dynamique. C'était Château Dynamique. Et Bazou également, c'est Château Dynamique qui a ouvert l'attaque de Bazou. Ils ont failli tuer le chef Bazou, Kemal Daniel. Mais ils ont tué deux de ses femmes. Comme ils attaquaient de nuit, ça a permis à Kemal Daniel de disparaître dans la nature. Donc, voilà, l'attaque de Bazou et tous les autres villages, bon, je ne vais pas les citer, il y en a eu tellement, c'était très, très difficile. Comment est-ce qu'ils agissaient? Généralement, ils intervenaient la nuit. Ils intervenaient la nuit, de préférence, bon, ils venaient, je vous ai dit, en groupe, en grand groupe. Ils attaquaient quelques postes de gendarmerie, ils attaquaient les chefferies. Ils s'attaquaient au groupe de défense parce que l'État avait mis en place le groupe de défense. Bon, ils sabotaient les routes, c'est-à-dire qu'ils coupaient les routes, ils coupaient les ponts, bon, ils brûlaient les villages. C'était très, très violent. Et puis, la grande cible des maquisards a été les fonctionnaires et les hommes politiques. Vous savez que les maquisards ont tué un député, le député Wankos Saviel.
Ils l'ont tué, je crois que c'était le 13 décembre 1957, qu'ils ont tué le député Wantrou Samuel. Il revenait de Bangoua, c'était quelqu'un de Batoufam. Entre les villages, ce sont les voleurs voisins. Entre Bangoua et Batoufam, il n'y a que Bangoréfam. Donc c'est à la frontière Bangoua, Bangoréfam, Batoufam qu'il a été tué. On ne va pas revenir sur ça, on pourra en parler une fois. C'était un député élu le 23 décembre 1956. Pourquoi est-ce qu'on se les maquisards s'attaquent aux hommes politiques? Parce qu'ils disaient qu'ils étaient des traîtres. Et ils étaient traîtres pour pouvoir parce qu'ils avaient accepté et ils avaient refusé de respecter le mot d'ordre de boycott lancé par l'UPC par rapport aux élections au scrutin du 23 décembre 1956. Donc toute personne qui avait refusé le boycott était considérée comme un traître. Il fallait le tuer. Donc, c'est comme ça que les hommes politiques étaient vraiment la cible de maquisards. Donc, le député Wanko Samuel a été tué comme ça. Les fonctionnaires également étaient vraiment les cibles des maquisards. Je vous ai déjà parlé de ça. Mon père avait été affecté à Tchamba. Donc, j'ai vécu à Tchamba pendant un mois et demi, en 1964. Nous étions gardés par la gendarmerie. Et il y avait des patrouilles de nuit. Et puis, toutes les maisons des fonctionnaires étaient gardées. À l'époque, le préfet était Kutcha. Kutcha Jean, qui deviendra par la suite ministre, lui ambassadeur et tout ça, c'était lui qui était préfet à Tchamp. C'était vraiment, c'était difficile la vie. Les maquisards avaient mis une situation terrible dans l'Ouest. Et pour que le côté, quelle a été la réaction du gouvernement de ce côté-là, le gouvernement a fait venir un général français. Après, d'abord, bon, dans la Sénégal-Maritime, il y avait d'abord eu le général Crest de Villeneuve. Non, il était colonel Crest de Villeneuve, d'abord en Sénégal-Maritime. Ensuite, le colonel Lamberton est arrivé, Jean-Marie Lamberton. Bon, Jean-Marie Lamberton, c'est lui qui a donc organisé l'assassinat de Oungnabé. Ils sont partis. Et donc, à partir de 1960, maintenant, c'est un général du nom de Max Brillant qui est arrivé. Max Brillant, lui, venait d'Indochine et d'Algérie. Il avait fait ses preuves en Indochine et en Algérie. C'était quelqu'un d'expérimenté. C'est lui que le gouvernement camerounais a fait venir. Parce que je dois vous signaler que il y a eu un débat fin décembre 1959 en France. La France demandait est-ce qu'on continue à maintenir nos troupes au Cameroun, puisque le pays va devenir indépendant. Et c'est le gouvernement camerounais qui a demandé que les troupes françaises non seulement restent, mais soient renforcées, parce que l'armée camerounaise, le Cameroun ne disposait pas d'armée. Donc, en 1960, dès janvier, je crois, février, par là, un général du nom de Max Brillant est arrivé. Max Brillant, il est arrivé, c'est lui qui a donc entrepris la guerre contre les maquisards. Max Brillant, il avait apporté à l'époque, pour ceux de ma génération s'en souviennent très bien, un petit avion qu'on appelait Broussard. C'était un avion avec les ailes en haut, là, comme ça, et un moteur devant. Cet avion avait la capacité, la faculté, comment dire, la caractéristique de voler à très, très faible vitesse. À très faible vitesse, il ne décrochait pas. Évidemment, il ne portait que, je crois, trois passagers. Donc, il était léger. Et il pouvait voler à très faible vitesse, ce qui fait qu'en rase-mode, il voyait, il voyait le sol et il informait les troupes des déplacements des maquisards. Bon, c'était très difficile, cette guerre-là. Les maquisards, ils se regroupaient, ils frappaient et ils disparaissaient. Ils se dispersaient. Et on ne savait pas très bien qui était maquisard et que c'était vraiment des maquisards ou bien les gens du village. En tout cas, c'était très complexe. C'était très complexe. Mais le temps s'est mis à passer et au mois de, je crois que c'était au mois d'août 1963, qu'on a arrêté Tankenoué. Tankenoué a été arrêté. J'ai un ami qui est mort, un colonel qui est mort, qui avait participé à l'arrestation de Tankenoué. Bon, j'avais pris des notes, j'espère le retrouver. On a arrêté Tankenoué. Et au mois de janvier 1964, il a été exécuté à Douala, Tankenoué. Il a été exécuté. Le peloton d'exécution était dirigé par un lieutenant, Frère Mouly de Léniac, nommé Yakana. Yakana, le général Yakana, c'est vraiment lui qui avait organisé l'exécution de Tankenoué à Douala. Je crois qu'on avait exécuté Tankenoué au Kati Congo.
sur les débris de l'incendie du quartier Congo. C'est là qu'on avait exécuté Tank Noé à Douala. Donc, le maquis, ça n'avançait pas. Le maquis, et puis l'armée congolaise recrutait les liens qui étaient déjà là. Les soldats étaient là, la gendarmerie était là. Le maquis piétinait. Bon, et puis, c'est l'histoire que l'indépendance est fausse. C'était compliqué à expliquer aux gens. C'était compliqué. Et puis, il y avait une insécurité qui régnait. Bon, le Sénégal maritime, l'insécurité avait pris fin. Bon, Douala, c'était devenu comme ça en 64, 65. Bon. Il n'y avait plus de couvre-feu à Douala, en tout cas. Bon, mais on avait maintenu les laissés-passer. C'est-à-dire que pour aller à Douala ou en sortir, il fallait prendre le laissé-passer au commissariat spécial à Douala. Je m'en souviens bien, on prenait ces laissés-passer. On les a pris pratiquement jusqu'à l'arrestation de Wendy en 1970. On les prenait le commissariat spécial, c'était, je ne sais pas s'il existe toujours, il y avait un commissariat à côté du lycée Jos. C'est là qu'on prenait les laissés-passer quand on se rendait à Douala ou quand on sortait. Donc, vous venez de Yaoundé, on prenait les laissés-passer. On contrôle le laissé-passer dans les voitures, contrôle routier, et puis dans le train. Vous ne pouvez pas monter dans le train sans le laisser-passer. Bon, évidemment, quand on est en compte, ça va, le laisser-passer, c'était quelque chose de terrible. Bon, mais il y avait le couvre-feu à Douala, mais il y avait le laissé-passer. Mais donc, Douala, c'est plus ou moins pacifié, enfin, là, beaucoup plus rapidement. Mais le Mungo et l'Ouest sont restés une situation, la guerre ne progressait pas. Il y avait une lassitude, c'était une sorte de chien, comme on dit en français. L'UPC en a tiré les enseignements que ce côté-là, la guerre s'essouffle. La guerre s'essouffle. Il y avait donc ce que je vous ai dit, qu'il y avait deux ailes dans l'UPC. L'aile extérieure, cela, donc l'aile extérieure dit que bon, il faut venir en renfort aux combattants, à l'armée de libération nationale camerounaise, à LNK, qui agit dans l'Ouest. Et c'était, il fallait venir en renfort, et parce que c'était une situation un peu compliquée, à tel point que Wendy lui-même avait sorti une circulaire demandant, mettant en garde les bandes armées qui commettaient des méfaits au nom de l'UPC. C'est une circulaire célèbre de l'UPC en disant, vous qui tuez là, incendiez les maisons, vous interceptez les cars de transport, vous dépouillez les gens et vous criez le nom de l'UPC, nous allons être même les premiers à vous dénoncer. Ça n'est pas ça l'indépendance. Donc, c'était vraiment une confusion pas possible. Et l'aile extérieure a donc conclu qu'il fallait venir en aide. Il fallait venir en aide aux authentiques militants politiques, pas aux bandits qui s'existaient dans l'Ouest, aux authentiques dans le Mungo. Et voilà donc comment ça a germé l'idée de ce qu'ils ont appelé le second front. Parce que le maquis de Mulundu, ça est entré dans l'histoire sous l'appellation du second front. Si vous discutez avec les imbéciles de l'époque, bon, maintenant, ils sont déjà presque tous partis, il en reste quelques peu, ils vous parleront toujours du second front. Donc, voilà le second front. Le second front, c'était créer un autre front. Dans le langage de l'époque, il fallait asphyxier le néocolonialisme et tout et tout. Le second front, et bon, ils décident donc de créer un second front à Mulundu, dans le sud. Pourquoi Mulundu? Pourquoi le sud? Il se trouve qu'au Congo, en 1963, il y a eu une révolution, une révolte. Et l'abbé Fulbert Youlou, qui avait conduit le pays à l'indépendance et qui était président, avait été renversé par un certain Massamba Déba. Massamba Déba est arrivé avec les histoires de communisme, de parti congolais du travail, de peuples opprimés vaincront, la lutte des classes, la révolution prolétarienne. C'est lui qui a introduit le marxisme et le léninisme au Congo. Donc, et il s'est tourné vers les pays de l'Est. Le Congo était devenu ainsi, on va dire, la porte d'entrée du bloc de l'Est, en Afrique centrale. Au Congo, donc, beaucoup d'étudiants congolais ont obtenu des bourses scolaires en Union soviétique. On apprenait même le russe dans les lycées au Congo, ce qu'on a jamais fait au Cameroun, mais on apprenait le russe dans les lycées au Congo. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, il y avait presque autant d'étudiants congolais en Russie qu'en France, là où moi j'étais. C'était très nombreux en Russie, les étudiants congolais, et puis même dans tous les pays de l'Est, donc Armand de l'Est, Yougoslavie, tout ça. Donc, il y avait cette situation au Congo. Et autre chose, à partir donc du Congo, parce que l'esprit de l'époque était l'esprit
des guerres d'indépendance, la Chine, c'était la révolution, la Russie, Cuba et autres. Ils ont donc créé des camps d'entraînement au Congo pour former les guerriers africains qui veulent libérer leur peuple du colonialisme. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait encore l'Angola qui était un pays colonisé, le Mozambique colonisé, la Guinée-Bissau colonisée, l'Espagne, la Guinée équatoriale était colonisée. Il y avait encore la Rhodésie, ce qui est devenu le Zimbabwe, Rhodésie du Sud, qui était aux mains des racistes. Il y avait un petit type, un blanc la mer, comme ça, Ian Smith. Il avait proclamé l'indépendance de manière unilatérale de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il avait les blancs de Rhodésie avec proclamé l'indépendance en disant qu'ils sont déjà indépendants. Il y a maintenant un régime de ségrégation raciale en Rhodésie. Et il y avait l'Afrique du Sud. Il y avait l'Afrique du Sud. Et l'OUA, le nom l'indiquait bien, Organisation de l'Unité Africaine, qui avait donc deux objectifs, vous le savez bien, unir l'Afrique et débarrasser l'Afrique du colonialisme. Donc l'esprit était un peu à l'esprit de la liberté, de la libération de l'Afrique, des peuples africains dominés. Donc la Chine et la Russie ont donc créé des camps militaires, des camps de formation militaire au Congo. Ils les ont installés au Congo. Là, c'est là-bas donc qu'ils se sont mis à former les Angolais. Ils ont formé les Angolais, ils ont pu former les Mozambicains et les Supécistes. Moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer Fosso François, qui était dans ce maquis. À l'époque, je finissais mes études en France. Il nous en parlait longuement. C'est là qu'ils ont connu les autres, Agostino Neto. Ils les ont connus dans ce camp-là et d'autres qui ont libéré les colonies. Les colonies comment dire, portugaises. Donc, il y avait donc une situation favorable au Congo. Au moins, donc, au CEDAFRANA décide donc, avec Obenlén, avec Fosso François et d'autres, d'aller créer ce maquis. Donc, pourquoi et qui était CEDAFRANA? CEDAFRANA était un docteur en économie, probablement le premier. L'un des premiers que nous ayons eu au Cameroun, il a écrit un livre qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. C'était L'économie de l'Ouest africain. Bon, il avait été étudiant à Toulouse. À Toulouse, il avait, donc, avec Kodok, avec, comment on appelle le type là, qui avait été ambassadeur là, Bobo Jacques Roger, et avec Assoumavé qui finira à la SNH. Voilà, les anciens, les plus connus de Toulouse, qui animaient une forte section de l'UPC à Toulouse, et au CND avait également été aussi à l'ONU en 57 pour prendre la parole compétitionnaire et autres. Et donc, au CNDAFANA, décide de créer donc ce maquis. Bon, il faut préciser qu'il y avait une sorte de divergence entre le groupe au CNDAFANA et quelqu'un comme Wundry. Mais au Sénat, on a été beaucoup plus les pro-chinois. Parce que Hossein avait été en Chine. Il avait été en Chine plusieurs fois, mais pas en Union soviétique. Donc, et comme le maquis, comme le camp d'entraînement au Congo était dominé par les Chinois et les Cubains, donc Hossein en a profité pour. Donc, ils sont allés au Congo. Ils sont arrivés au Congo au mois de novembre 1963. Novembre 1963, et 185 UPCistes arrivent au Congo. 185 UPCistes au mois de novembre 1963 pour aller se former militairement. Ils se former militairement. Ils ont subi leur formation pendant toute l'année 1964. Ça, c'est une vraie formation militaire. C'était des militaires formés. Toute l'année 1964, ils ont suivi la formation militaire au Congo pour aller faire le meeting, la guerre. Et le gouvernement congolais leur donnait le logement, le gouvernement congolais leur donnait de l'argent pour vivre, il leur donnait des véhicules, ils avaient des véhicules administratifs, ces Camerounais, avec d'autres, c'était les Camerounais, mais il y avait aussi les Angolais, il y avait les Angolais, les Guinéens, Bissau, les Mozambicains. Donc, le gouvernement congolais était vraiment pour la libération de l'Afrique. Il leur donnait, évidemment, les soins médicaux gratuitement. Il donnait des emplois à ceux qui avaient. Il y en avait qui étaient laissés dans les hôpitaux. Ceux qui étaient médecins étaient laissés dans les hôpitaux. Il y en avait qui étaient
des enseignants, des instituteurs et autres, et ils les nourrissaient. C'était vraiment. Et puis, ils leur donnaient de l'argent, ils leur donnaient les passeports. Parce que beaucoup d'entre eux n'avaient plus de passeport, puisqu'ils n'avaient pas, au moins l'indépendance était hors du Cameroun, ils n'avaient pas pu avoir de passeport camerounais. Le gouvernement congolais leur procurait des passeports. Il leur procurait des passeports. Donc, en résumé, ils avaient suivi pendant, au Sénat, pendant son groupe, ont suivi pendant toute une année une formation militaire intense comment on appelle ça, au Congo. Bon, dans l'esprit de Sénat, il estimait que le combat révolutionnaire devait être mené auprès des populations concernées. Bon, en fait, c'était le raisonnement des Chinois. Bon, c'était quelqu'un qui était au Sénat, était beaucoup plus pro-chinois. Donc, ils ont mené cette formation militaire en même temps que les gens du MPLA, Mouvement populaire de libération d'Angola, ceux de Mozambique et autres. Et au mois de. Donc, ils ont fini cette formation, ils ont poursuivi. Et voilà donc que le 1er septembre 1965, le groupe franchit la frontière. Ils ont décidé de s'installer dans l'Est Cameroun, parce que c'était une des régions les plus vraiment déshéritées. Ils appelaient ça créer une zone libérée. C'était le terme qu'ils voulaient entendre, créer une république libérée dans la Boubangoko, dans l'Est du Cameroun. Ils ont un peu repris ce que Oumiové avait voulu faire en Sanamgar-Maritime, à savoir créer une seconde république en émettant des pièces officielles, en produisant des pièces officielles, des cartes d'identité, les passeports et autres, les actes de mariage. Ils ont donc ils sont allés créer une zone libérée. Ils étaient, comment on appelle ça? Ils étaient au nombre, on va dire, au nombre de. Bon, prenons les grandes figures. Donc, il y avait. Bon, Ossende était le chef du détachement militaire, Ossende Fana. Bon, Orwellem était chargé des relations extérieures. Henri Orwellem, le mathématicien. Et puis, Fosso François était le, on va dire, chef de l'armée, de l'encadreur militaire. Pourquoi encadreur militaire? Parce que Fosso François avait fait la guerre. Il avait fait la guerre de 1939-1945. Et donc, lui, il avait donc le côté militaire, c'était lui. Mais je vous dis, c'était 185, hein, vous avez cité les trois, disons, les trois leaders, mais ils étaient une équipe de 185 personnes. Donc, quand ils pénètrent dans la forêt camerounaise, ils quittent Brazzaville à bord de véhicules administratifs du Congo-Brazzaville. Ils quittent, oui, ils sont accompagnés dans un cortège de voitures jusqu'à la frontière. Wasso et compagnie, et c'est là que les Congolais bon, leur disent bon, bonne chance et autres. Donc, au Sénégal et son groupe, je vous dis, ils sont 185, ils entrent donc dans le maquis. Maintenant, Orwellem, comme il était chargé des relations extérieures, Orwellem n'est pas entré au maquis. Il les a vus entrer et il avait pour mission de rentrer, et Orwellem les a vus franchir la frontière. Et il avait pour mission de rentrer à Brazzaville, informer le monde entier que oui, l'UPC est maintenant allé créer et entrer sous maquis et allait créer une zone libérée. Bon, mais en entrant sous maquis, en franchissant la frontière, le gouvernement congolais a demandé au groupe comment on dit, au groupe qui est à ce groupe-là, groupe de Sénégal, que de raser les murs pendant au moins les 3 premiers mois. Que pas d'attaque. Vous essayez, bon, vous faites votre sensibilisation politique si vous voulez, mais pas de coup de feu. Même si on vous tire dessus, évitez. Bon, donc ils sont entrés le 1er septembre 1965. Il faut retenir les dates, c'est important. Quand on fait l'histoire, il faut toujours retenir les dates et les événements. Bon, ils arrivent là-bas, ils sont en territoire camerounais, mais très vite ils sont repérés. Ils sont repérés d'abord par la propagande. Quand on s'est rentré à Brazzaville, ils informaient que l'UPC a pénétré les forêts camerounaises pour créer un second front. Bah, c'était la propagande. Le Cameroun avait une ambassade à Brazzaville et autres. Le service secret français était là. Il suivait tout. Donc, tout de suite, le Cameroun a su qu'il y a un groupe de l'UPC qui sont entrés dans l'est du pays pour créer un nouveau front, un second front, puisque le maquis à l'ouest s'essoufflait. Le maquis à l'ouest était déjà très mélangé entre
les politiques et les bandits, c'était très complexe à l'ouest. Bon, maintenant, voici un second front qui, lui, est purement politique, il n'y a rien là. Ce n'est pas les bandes armées qui font du mal au nom de la liberté. Là, c'est des intellectuels, des ingénieurs, des médecins, des agronomes et tout, qui entrent. C'est un vrai maquis, vraiment dans le sens politique. Ça n'a rien à voir avec la confusion qui règne déjà, qui règne dans l'ouest du Cameroun. Donc, ils entrent dans la. Le régime étant au courant, ils commencent à entêter la gendarmerie des autres. Ils s'installent. Ils se mettent à contacter la population, à leur donner une formation politique. Bon, j'avoue que c'est personnellement, je ne comprends pas très bien leur motivation. C'était très difficile ce qu'ils ont entrepris. D'abord, l'Est est toujours désert, à plus forte raison cette époque-là. Ok, sur le plan militaire, c'était avantageux dans le sens que la forêt est dense, on peut mieux se cacher. Mais en même temps, c'est un handicap. Parce que autant on peut mieux se cacher, autant aussi pour se sauver, c'est plus difficile. Bon, ils se sont installés là-bas, ils ont donc commencé, tant bien que mal, comment dire, à conscientiser les gens. Mais quand vous allez dans un village de 5 personnes, l'autre village il y a 4 km, un autre il y a 6 km, c'est pénible, vraiment le travail politique est pénible. C'est pas comme les villages denses que l'on voit dans l'ouest du Cameroun, où vous avez des villages de 2000, 3000 personnes. Non, à l'est, même jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Alors imaginez-vous, en 1965, il y avait des villages où il y avait 15 000 misérables bonshommes, et puis il fallait parcourir encore 4 km pour tomber encore sur 8 bonshommes, qui vos histoires de politique, ils ne comprenaient pas bien. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Et la gendarmerie veillait. La gendarmerie était au courant, elle veillait. Et rapidement, ils ont été repérés. Ils sont à tel endroit. Ils sont à tel endroit. Voilà donc comment le 5 octobre 1965, ils subissent la première attaque. L'armée camerounaise les attaque le 5 octobre. Hein? Ça tire de partout. Bon, ils avaient pour mission de ne pas riposter, ne riposter que s'ils sont attaqués. Bon, ils ont quand même riposté. Bon, ça, c'était très, 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 cette attaque avait été tenue, mais ils n'ont pas eu de perte. Ils n'ont pas eu de perte. Ils ont seulement eu des désertions. Les gens ont commencé à dire que cette affaire n'est pas comme on croyait. Ils ont eu des désertions. Face à cette attaque qui les a vraiment pris de court, ils ont décidé d'effectuer un repli sur Brazzaville pour faire le point que comment est-ce que l'armée nous attaque. On n'a pas de morts, mais nos camarades, il y a des désertions, près d'une trentaine de personnes se sauvent. Mais ça, c'est pas possible. Avec toute la formation que nous avons, militaire que nous avons acquise au Congo et la conviction UPCiste et tout, la foi au Cameroun. Nos gars se sauvent comme ça devant les coups de feu, mais c'est pas acceptable. Donc, ils ont d'abord replié à Brazzaville. Ils sont allés à Brazzaville, ils sont entrés à Brazzaville le 20 octobre. Ils sont restés jusqu'en janvier, à étudier la situation que bon, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas normal que nos gars, on la trouille comme ça, c'est pas possible. Bon. Et finalement, ils décident de retourner au maquis. Il faut retourner au maquis, c'est pas parce que il y a eu des désertions. Bon, on est venu 185. Si 30 bonshommes se sont sauvés, bon, il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on capitule. Donc, le 24 janvier 1966, et donc, je vous dis, ils sont rentrés, ils sont repliés à Brazzaville le 20 octobre 1965. Ils sont restés jusqu'au 24 janvier 1966. C'est le 24 janvier 1966 qu'ils retraversent la frontière camerounaise. Ils retournent au maquis. Les dates sont importantes à connaître. Ils arrivent au maquis, bon, le 24 janvier, ils sont là-bas au maquis. Maintenant, très rapidement également, ils sont tout de suite encore identifiés. On sait qu'ils sont là. Et il y a encore des désertions. Non seulement qu'il y a des désertions, mais les gars, au lieu de partir, ils partent même avec les armes. C'était vraiment embêtant. C'était vraiment embêtant. Tout de suite, ils subissent une attaque. L'armée camerounaise les attaque. Ça tire de partout, ça tire. Bon, ils réussissent à riposter comme ils peuvent. Bon, mais le moral commence à affaiblir. Donc, ils se disent, bon, si ils nous sont repérés ici, ils décident de changer de base. Le 5 mars 1966, ils changent de base de campement. Que bon, là où nous sommes là, bon, l'armée fantoche, comme il l'appelait, nous a déjà repérés. Il faut qu'on aille ailleurs. Donc, ils déménagent. Ils changent de base. En déménageant, il y a encore des désertions. Parce que le maquis de Mulundu est caractérisé par les désertions. C'est incroyable. Ces héros qui fuient comme ça devant les coups de feu, c'est incroyable. Alors, il y a encore des désertions. Et les gars, au lieu de partir seuls, comme je dis, ils partent encore avec les armes. C'était vraiment pénible. Bon, donc, 3 jours plus tard seulement,
À peine ont-ils identifié un nouveau campement, que c'est ici quand ils vont s'installer. Donc, le 8 mars 1906, qui est maintenant la fête des femmes, le 8 mars, ce 8 mars-là, c'est le 8 mars qu'il y a eu une terrible attaque de l'armée camerounaise contre le maquisards de Mouloudou, donc contre le groupe de Ousseynou Fana, Fosso François, je vous dis, où Mendel était rentré à Brazzaville pour informer l'opinion internationale de ce qui s'est passé, autres. Donc, il n'était pas allé, il n'était pas allé combattre. Donc, à 16h30, l'attaque a commencé. Oh, c'était terrible. L'armée tirait, tirait, tirait. Eux aussi, ils ont riposté. L'attaque a duré pratiquement plusieurs heures, en tout cas plusieurs heures. Et dans la débandade, c'était parce que c'était le sauve qui peut, finalement. Dans la débandade, vous savez qu'Hossein était myope. Hossein perd ses lunettes. Bon, Hossein perd ses lunettes. Vous savez déjà, un myope en ville sans lunettes, c'est difficile, c'est pénible. Imaginez-vous alors un myope en pleine forêt sans lunettes. Et moi, je ne sais pas comment il faisait. Si vous m'enlevez mes lunettes dans la forêt, mais ça devient. C'est l'enfer. Je tombe aveugle. Donc, Hossein perd, il perd ses lunettes. Il perd ses lunettes et ça devient un problème. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant avec Hossein qui n'a plus de lunettes? Il faut trouver une solution. Voilà donc comment on décide que Hossein décide que, bon, face à la situation, il est obligé de se faire une nouvelle lunette. Obligé. Donc, il décide donc de rentrer encore à Brazzaville pour se faire établir, pour confectionner une nouvelle paire de lunettes. Et en même temps, recommencer à réfléchir, mais comment nos gars désertent à tous les coups? On tire, et puis les gars, ils fuient. Les gars fuient avec les fusils, mais ce n'est pas possible ça. Quels sont ces faux UPCistes là? Quels sont ces faux militaires? Pourtant, nous avons suivi une formation militaire de plus d'un an. Comment les gars se sauvent quand l'armée gouvernementale tire? Bon, peut-être que l'endroit n'est pas bien. Il faut qu'on réfléchisse maintenant. Peut-être qu'on change de maquis. S'il laisse l'air compliqué, et puis à partir de Mouloudou pour atteindre Yaoundé, c'est tellement loin. C'est tellement loin. Bon, parce que Mouloudou, c'est à la pointe du Cameroun, hein, pratiquement au Congo là-bas. Ils disent, bon, il faut qu'on voit si on ne peut pas plutôt installer le maquis dans la région du centre-sud. À l'époque, c'était couplé. Le centre et le sud, ils formaient encore une seule région. Bon, c'est dans toutes ces, comment on appelle ça, dans toutes ces réflexions, bon, il faut donc qu'on reparte à Brazzaville. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la pénibilité de cela, la tâche. Quand ils repartent comme ça, ils doivent repartir avec tout leur matériel militaire. C'est lourd et tout, et ils marchent à pied dans la forêt. Vraiment, c'était des gars tellement courageux. Moi, vraiment, il faut leur lever le chapeau. Ils avaient une foi qui était quand même au-dessus de la moyenne. Il faut porter des fusils. Moi, je me rappelle, étant gosse, mon père aimait la chasse. Si vous partez tuer un, deux singes à 4 km du village, pour ramener ces singes du village, mais arrivé au village, le singe pèse déjà une tonne. Le fusil de chasse pèse. Et eux, ils avaient des fusils de guerre qui étaient beaucoup plus lourds. Vraiment, ces gars, imaginez-vous, vous traînez des fusils comme ça sur 20-30 km à l'épaule. Mais moi, ces gars étaient vraiment, ils avaient une foi pas possible. Moi, j'ai le fusil de calibre 12 de mon père. Quand on arrivait au village, moi, je ne savais plus quoi en faire. En plus, on avait rien que deux singes. Je vous dis, quand vous arrivez, le singe pèse déjà 100 kilos. Bon, bref. Et pendant donc le repli sur Brazzaville, à 10h30, à 11 km, à 11 km de la frontière congolaise, attaque. L'armée camerounaise les attaque. Donc nous sommes le 15 mars 1966. Attaque, 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 attaque. Comment on appelle? Fosso François se sauve. Bon, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait même pas moyen de riposter. Donc c'était le sauve qui peut. Fosso François est atteint au genou gauche. Fosso François est atteint au genou. Il y avait. Et maintenant, au sein de Afana et un certain Wambo, Wamba Louis, au sein d'Afana et un certain Wamba Louis sont tués. Du coup, Fosso échappe, il va se cacher. Il raconte, il avait raconté ça devant nous aussi, devant moi, que l'attaque n'avait pas duré longtemps. On a tiré peut-être pendant 10 minutes. C'est ce qu'il disait, qu'on a tiré pendant 10 minutes à peu près. Et puis, lui, il s'est blotti derrière un bananier. Mais il était blessé au genou gauche. Et il saignait énormément. Et ensuite, il a commencé à entendre des fusils par intermittence. Il s'est dit, ils sont en train d'exécuter nos camarades. On tirait,
peut-être 2, 3, 4, 5 minutes. Et puis on s'est tiré un peu partout. Bon, lui, il était. Il m'avait dit qu'il avait jeté son fusil, parce que le fusil était lourd. Fuir avec le fusil, ça allait même compliquer les choses. Et d'autant qu'il était déjà blessé au genou. Donc, il est resté là, blessé, quand les âmes se sont tues. Bon, il a laissé passer encore une ou 2 heures de temps. Il est sorti de sa cache, de sa cachette. Il s'est mis à errer comme ça. Il est tombé sur un village de Pygmées abandonné. C'est là que il a essayé de voir s'il pouvait se chauffer de l'eau, mais il n'y avait rien et tout. Bon, lui-même était épuisé. Il a trouvé un lit en bambou et il s'est endormi. Lorsqu'il s'est réveillé, il dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je le trouve là où on était, le lieu de la fusillade. Il raconte que en rentrant là-bas, il a pu retrouver l'endroit. Il a trouvé qu'au sein des Ewamba, au sein des Castor, au sein des Et Wamba Louis avait été décapité. Non, et au sein des, bon, le reste du corps était encore intact, si on peut dire. Bon, il pourrissait. Mais Wamba, on avait ouvert son ventre. Donc, Wamba, non seulement son corps pourrissait, mais ses intestins étaient à ciel ouvert. Alors, il faut se rendre compte qu'il a tant bien que mal essayé de créer au moins, de creuser une tombe. Que bon, je vais pas quand même laisser mes camarades comme ça à l'air libre. Il a creusé une tombe tant comme il a pu. Il dit qu'il n'avait qu'un couteau avec lui. Il n'avait qu'un couteau. Il a creusé, creusé, creusé. Il a tiré ses camarades et les a ensevelis. Donc c'est Fosso qui les a ensevelis. Je me rappelle, il avait me raconté ça encore une fois devant moi à Paris. J'étais encore étudiant. Il les a ensevelis. Et bon, c'était la fin du maquis, quoi. Et bon, on va aller rapidement. Le 24 mars, lui-même, les survivants sont sortis du maquis. Bon, c'était plus la peine de continuer. Bon, puis il y avait toujours les désertions, il y avait les désertions. Maintenant, les têtes qui avaient été coupées, il semblerait que, la gendarmerie ou l'armée, je ne sais plus très bien, en tout cas, ils ont informé la sous-préfecture que on a donc tué les gens là-bas, et parmi lesquels au CND. Il y avait ce qu'on appelle la sous-préfecture, ce qu'on appelle la radio de commandement. En fait, c'était une radio, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc, les préfectures, les sous-préfectures avaient des radios. Ils ont donc, par la radio de commandement, informé Yukaduma. On a tué les gars. Yukaduma a informé, bon, bref, Yaoundé. Et Yaoundé a donc aurait demandé qu'on amène les têtes à Yaoundé. Donc, apparemment, un hélicoptère serait parti récupérer ces deux têtes. Mais c'est la tête de Hossein qui était importante. L'autre, on a dû la jeter. Et elle aurait, je prends le conditionnel, elle aurait été présentée au président Ahidjo en conseil des ministres à l'ancien palais. Elle aurait été présentée, la tête de Sena Fanas aurait été présentée devant tous les ministres. Il semble qu'il y a un seul ministre qui avait refusé d'assister à ce spectacle macabre. C'était le ministre Ateba Victor, parce qu'il était étonné. Donc Ateba Victor aurait refusé d'assister. Je le tiens de quelqu'un qui était, que j'ai connu par la suite à l'ambassade du Cameroun. Il était du protocole au palais. À l'ancien palais, celui qui m'a raconté ça. Que non, les têtes sont venues, tous les ministres étaient là, la tête au sein était couverte. On avait mis le formol et on a enlevé le tissu qui la couvrait et tout le monde a vu que sa tête coupée là, que seul Ateba Victor avait dit non, si je vois ça, c'est vraiment la malédiction, c'est un étonnement qu'on mange, je ne peux pas assister. Et bon, et puis on est allé l'enterrer. Donc voilà. Comment est-ce que le maquis de Djoum s'est déroulé? Qu'est-ce qu'il faut retenir du maquis de Djoum? Que le maquis de Djoum, on l'a appelé le deuxième front. Pourquoi deuxième front? Parce qu'il fallait créer un autre front pour affaiblir les forces fantoches. On prend le langage de l'époque. Bon, l'armée fantoche qui combattait était déjà engagée contre l'armée de libération nationale camerounaise à l'ouest. Il fallait créer un second front ailleurs, à Mouroudou. Bon, donc d'où le nom deuxième front. Le maquis de Loulou a pris est entré dans l'histoire sous l'appellation le deuxième front.
Mais ce deuxième front, il y a eu énormément de problèmes. D'abord, région sous-peuplée. Je vous dis, les distances entre les villages sont phénoménales là-bas. Région sous-peuplée. Vous tombez sur un village, il n'y a que 8 personnes. Bon, vous allez, pour mobiliser 100 personnes, il va vous falloir parcourir peut-être 50 km à pied. À pied. Et en vous cachant. Bon, je ne vous parle pas de tout le reste. Vous nourrissez comment? Les intempéries, tout, c'était très difficile. C'était très difficile. Ce maquis. Troisièmement, vous venez parler aux gens de vos histoires de fausse indépendance, de vraie indépendance, des peuples opprimés, de la lutte des prolétaires, de marxisme, léninisme, c'était compliqué. Les gens sont là, ils savent qu'il faut payer l'impôt parce que la gendarmerie dérange. Ou ils tuent leur gibier. Vous venez, vous leur apportez un discours révolutionnaire, c'est compliqué, c'était compliqué pour eux. Et quatrièmement, bon, il faut pas nier le fait que ils ont fait tout le bruit. Cette affaire que vous entrez, vous quittez Brazzaville à bord de camions, tout Brazzaville sait que vous partez au front. Avec les camions administratifs, les camions de l'État congolais, tout le monde sait que les voilà les camions qui vont maintenant libérer leur pays. Il y avait tous ces aspects-là. Bref, voilà le maquis de Mouloudou, comment il s'est achevé. Mais il s'est achevé sur la note suivante, la note selon laquelle le coin là n'est pas bon. Il faut chercher un autre endroit pour pénétrer les forêts camerounaises. Donc le maquis de Mounoudou, c'est lui qui a entraîné l'idée de créer un maquis beaucoup plus dans la région du centre et du sud. C'est pour ça qu'il y a eu le maquis de Djoum. Le maquis de Djoum est la conséquence des résolutions prises à l'issue du maquis de Mounoudou, que non, Mounoudou est loin. Il faut se rapprocher. Djoum est beaucoup plus près de Yaoundé que Mounoudou, qui n'est même pas déjà près de Yokadouma et autres. Donc voilà un peu, voilà, pas un peu, voilà l'histoire du maquis de Mouloudou, le deuxième front. Ok, aujourd'hui c'était pas très long parce que je vais pas rajouter ce qu'il m'a dit. Ok, voilà ce que j'ai à dire. Ça va? Vos questions avant que j'aille Je dans le fond. faisais passer un petit jingle parce que maintenant je prends l'habitude qu'après, avant l'émission, je fais passer un jingle pour détendre. Après le discours, je fais passer un autre petit jingle pour détendre. Donc, je faisais passer la petite musique pour détendre tout le monde. J'espère que j'ai mon son. J'ai bien mis mon micro en on. Donc, mon micro n'est pas en off, donc on m'entend. Voilà. Oui, moi j'entends. Voilà. Oui, mais j'essaie de savoir s'ils m'entendent aussi sur le web. Ah ouais, Donc, le donc, maquis de on Mouloudou, m'entend. c'était du 1er septembre 1965, n'est-ce pas, au 15 mars 1966. Ça a duré 6 mois. Ah, d'accord. D'accord. Oui, ce sont les dates qu'il faut retenir. OK. 1er septembre 1965, 6 mars, 15 mars 1966, 6 mois. Mais remarque qu'on a déjà fait plus d'une heure, hein? Une heure d'émission, puisqu'on a commencé relativement tôt aujourd'hui, on a commencé presque à 21h, 5 sur 5, on a déjà fait une heure, ça passe très très vite. Et ça fait plaisir, c'est toujours le plaisir de réécouter. Donc j'ai pas vu qu'il y a beaucoup de questions pendant qu'on exposait, même après, il n'y a pas eu beaucoup de questions. Je crois que les gens ont juste religieusement écouté. Et je crois qu'il faut que je remercie beaucoup les téléspectateurs d'aujourd'hui parce que ils ont fait, je vois le moniteur me dit qu'ils ont fait énormément de partages. Je dis bien énormément. On fait plus de 200 partages, ce qui est surprenant. Et voilà, c'est une façon de dire aux gens, écoutez l'émission après parce qu'elle est intéressante. Et petit à petit, c'est vraiment une très bonne chose. Mais en revanche, au niveau des questions, je ne vois pas beaucoup de questions. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de questions. Je n'en vois aucune. Voilà. Je crois que les gens ont religieusement regardé l'émission et que... voilà, Gisou Abomodi, c'est un épisode de notre histoire méconnue. En effet, c'est comme ça que j'ai commencé en disant que c'est vraiment un épisode méconnu de notre histoire. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un maquis à Mbolundou, et en tout cas qu'il avait. Je ne savais pas. Je savais même pas qu'il y avait un maquis de Mbolundou, même si j'entendais parler de Mbolundou au centre
des conversations. Et moi, je connais bien le coin. Je suis bien placé pour vous dire que je connais, oh bien, je connais Yokadouma, je connais Ngato, je connais Melnou. Je dis, quand je dis que je connais, ça veut dire que j'y étais. Donc, j'ai vu. Et voilà. Donc, je connais très bien le coin et ça me permet de comprendre aussi pas mal de choses. Voilà. On est très ravis, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, mais la prochaine émission, on peut déjà introduire la prochaine émission mercredi prochain si tout se passe bien. Il y a des risques que je sois indisponible, donc je ne peux pas confirmer, mais si tout se passe bien, la prochaine émission mercredi prochain sera le maquis de June. On va tout faire pour que tout se passe bien malgré ceux qui pourraient arriver. Voilà. Il n'y a pas de Donc, questions. on aura bouclé les maquis mercredi prochain. Oui, OK? oui, oui. On aura bouclé les maquis. Il n'y a pas de questions. Voilà. À part vous dire de liker la page, comme vous l'avez fait, certains l'ont fait en cours d'émission, de partager, vous l'avez fait aussi. Je vais vous remercier tous qui étaient là aujourd'hui. Il y a un appel là. Il y a un appel. Il y a un appel. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Je vais le prendre. Voilà, je sais. Voilà. Allô, c'est Monsieur Nana Akbo Oui, bonjour, bonjour à vous. Akiofo. Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort quand même. Oui, bonjour, bonjour Henri, bonjour professeur, monsieur. C'est un plaisir d'avoir suivi cette partie de notre histoire que on n'a pas eu la chance d'apprendre à l'école. Vraiment, j'en suis ravi et je me sens chanceux. Allô? Oui, je vous laisse parler. Donc, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre parce que là où je vois, il y a eu l'organisation, les gars se sont préparés, il y a eu la formation. Je n'arrive pas à comprendre ce défaut de stratégie. Comment est-ce que les gars ne se sont pas assis pour pouvoir faire de la stratégie? La stratégie, elle était vraiment nulle, telle que le professeur a dit. C'était difficile de vivre au sud et tout le reste. Je me demande comment est-ce qu'ils n'ont pas pu aller recommencer soit à l'ouest, mettre de l'ordre là-bas. Et puis évoluer ou bien dans la Sanaga maritime, je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est un peu ça ma difficulté. Merci beaucoup. Oui, le professeur a bien répondu qu'en fait, c'est au départ de ça qu'ils ont évolué en allant créer le maquis de Djoum. D'ailleurs, je le laisse lui-même répondre. C'est, en fait, je te laisse répondre, monsieur. Non, je vous laisse répondre. Il a J'ai pas dit, compris la question. avant, en fait, il a dit que ce maquis était mal organisé. Il n'a pas compris pourquoi. Que devant ce qui se passait dans le maquis de Mulundu, pourquoi ils n'ont pas eu la stratégie de retourner reformer le maquis de l'Ouest ou retourner de reformer le maquis en région Bassa de la Sanaga-Maritime. Et je lui répondais que c'est justement ce que vous avez conclu. Vous avez dit que le maquis de Djoun a été reformé en conséquence des erreurs du maquis Oui, de voilà, de Mulundu, de Mulundu. oui. Et il y Et puis le a maquis en Sanaga-Maritime était achevé depuis, il n'existait plus. Monsieur Roger Salomon Mba Nkoto. Bonsoir, ravi, vous êtes toujours des nôtres. Il dit, est-ce que le front de l'Ouest continuait en même temps? Oui, c'est possible. Puisque on dit la plus fin en 70, au mois de juillet, je crois, juillet ou 70, quand on avait arrêté Rwandi. Ah, d'accord. Monsieur Nana, vous voulez encore dire quelque chose ou vous avez la En conversation? fait, ce que je voulais dire, c'est que Comment? la préparation a été bien faite avec les communistes au Congo. Oui. Je ne comprends pas la stratégie d'aller dans la forêt parce que je me dis que s'ils étaient, après la formation, s'ils étaient allés à l'ouest ou bien à la Sanaga maritime, aller recommencer là-bas, donc aller renforcer les troupes de là-bas, essayer de maîtriser avec le banditisme et tout, mettre de l'ordre. Et puis convaincre les gens là-bas, puis donc revenir maintenant vers je sais pas, Il y a vers des questions, sinon centre, que moi vers que je me Oui, sauve aussi. il est en train de poser une question. Ah, d'accord. Oui. Donc c'était ça. Je ne sais pas pourquoi s'ils ont eu la difficulté après la formation avec les communistes de rentrer donc à l'ouest, puisque c'est là-bas ils étaient plus ou moins habiles et il y avait plus de population là-bas. Quelle était la difficulté de rentrer à l'ouest?
réorganiser le maquis là-bas et puis évoluer que d'aller se perdre dans la forêt parce que c'est difficile à comprendre, ça fait même mal. Vous avez entendu la question, monsieur Henault, je vous résume. J'ai pas compris la question. Voilà, il a dit qu'après la formation qu'ils ont eue au Congo à la frontière, et il revenait, pourquoi au lieu après leur formation militaire, pourquoi se sont-ils arrêtés pour faire un maquis à Melundu? Vous expliquez qu'il y avait très peu de gens, le pays était grand, avec des petits villages composés de peu de personnes, et ils demandent pourquoi ne sont-ils pas allés carrément, après leur formation militaire, aller reformer le maquis de l'Ouest ou de la Sanaga maritime? Voilà la question qu'ils posent. Mais le maquis de la Sanaga maritime était déjà fini. Nous sommes en 65. Le maquis de la Sanaga maritime a pris fin en 59 avec la mort de Oumiyabé. Ok, d'accord. C'est quand même c'est l'histoire. Le maquis de la Sanaga. Bon, les quelques gens qui sont restés, les Makan Lapout, les Liena, bon, ça n'avait plus rien à voir avec l'époque où quand on aurait vivait, non, le maquis de la Sanaga maritime, c'était fini. Bon, le maquis de l'Ouest, c'est lui qui était en activité, mais l'UPC a décidé de créer un second maquis. Pourquoi l'ont-ils décidé? Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je dis seulement, je vous transmets ce qui a été fait. Ils ont décidé de créer un second maquis. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Non, merci et puis, beaucoup. Il faut aussi voir que, n'oubliez pas l'aspect que le Congo était un territoire favorable. Je vous ai expliqué tout ce que le Congo leur a donné. Les passeports, les voitures, les logements, les soins de santé, tout, l'argent et tout, la formation militaire. Bon, le maquis de l'Ouest, était près de, du Nigeria, on va dire comme ça. Encore que entre l'Ouest et le Nigeria, il y avait le Cameroun occidental à l'époque. Bon, où est-ce qu'ils allaient bénéficier de cette formation militaire, tout ça? C'était pas facile. C'était pas facile. Eux, ils étaient vraiment militairement formés. À la différence des gens de Tankenoué et autres, Singa Martin, bon, Singa Martin, eux, c'était des machettes et autres. Des machettes, des couteaux, des fusils, de artisanaux. Alors que les gens de Mulundu avaient de vrais fusils. Mais ce sont les Oumli qui vont encore envoyer les meilleurs fusils. Parce que là, ils ont vraiment des armes cubaines. Le maquis de Jumla, alors vraiment, ils avaient un vrai équipement. En tout cas, on vous remercie beaucoup, M. Nana Omba, pour vos questions et pour votre participation. Très bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, André. Il y avait aussi Monsieur Roger Salomon-Mba en Koto qui disait les défections systématiques n'étaient-elles pas liées à l'infiltration par des taupes en réalité? C'est une question. Non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Bon, moi, je me mets un peu dans l'esprit de l'époque. Moi, je suis arrivé en France en 1915, après mon baccalauréat. Nous étions dans l'angélisme révolutionnaire. On récitait la révolution cubaine, on récitait les exploits de Ho Chi Minh. C'était l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, on rêvait. Le Parti communiste était fort en France. L'Union soviétique, le Parti communiste, l'Union soviétique, la Chine de Mao. Bon. Donc, ces gars-là, je suis sûr qu'ils étaient dans mon esprit. Moi, je suis arrivé 20 ans plus tard en France, mais ils étaient dans cet esprit-là, il y a 10 ans plus tôt. Bon, quand ils sont rentrés, ils ne savaient pas ce que ça signifiait qu'aller implanter un maquis. Je crois qu'ils auraient d'abord dû envoyer des éclaireurs. Je vous dis, par exemple, même jusqu'aujourd'hui, allez un peu à l'est, mais vous avez des bosquets de 8 km. Et pour tomber sur un petit village de 6 malheureux bons hommes, est-ce que vous voyez la pénibilité de la tâche? Mobiliser 200 personnes sur une distance de 40 km à pied. Mais c'est pénible. Et puis les gens, vous leur parlez des choses qu'ils ne connaissent même pas. Oh, les peuples opprimés, machin, c'est vos histoires d'étudiants en France, là. Non! C'était un terrain très hostile. Et sur le plan physique, c'est-à-dire que les distances tendent à parcourir. Bon. Et puis, la mentalité, les gens sous-peuplés, c'était difficile. Vous voyez, je vous ai donné des exemples que moi-même je connais. Je vous dis, un fusil de chasse de calibre 12. Moi, mon père était un chasseur.
Je vous dis, quand vous allez, si vous êtes à Yaoundé et que vous partez tuer un gibier, vous êtes en Gombe et en forêt, vous partez tuer un gibier, peut-être à Étoudi. Je vous dis, pour ramener le fusil de chasse avec un singe d'Étoudi en Gombe. Le fusil pèse, donc ce n'était pas simple. Donc, je comprends que ces gars, ce n'était plus la révolution des cités universitaires. Or, les peuples premiers vaincront. L'impérialisme à bas, le néocolonialisme à bas, les peuples premiers, oh, vaincront. Ça, c'est la cité universitaire. Ça, c'est la cité universitaire. Arrivé sur le terrain, moi, je dis que tous ces gars qui désertaient, ils étaient perdus. Ce n'était pas ce qu'ils avaient cru. On est toujours convaincu que le peuple souffre, dès qu'on fait comme ça, le peuple va nous suivre. Non! Les gars, vous le racontez, ils ne vous écoutent pas. Ceux qui font la politique au Cameroun le vivent. Vous arrivez dans un village. Le village, évidemment, n'a pas de courant. Le village, pour y arriver, il faut voir la route. Il faut voir la route. Le village, il faut voir la voiture dans laquelle vous vous déplacez. Vous arrivez dans ces villages, vous tenez un meeting politique. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. En fait, les gens sont venus pour que vous leur offriez à boire après votre baratin. Ce sont des réalités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, tout ce que vous avez raconté, ils s'en fichent. Quand vous finissez le verre, vous dites que bon, tu nous as même apporté quoi? Ils te disent que mais, il y a Matalina là qui a un très bon odontol. Achète-nous des bouteilles d'odontol. Bon, moi, ce sont les choses que j'ai vécues. Donc, vous voyez, vous quittez l'université. La cité universitaire d'Amiens, vous vous retrouvez en plein Mulundu parce que vous avez suivi un stage en militaire avec les Angolais et tout, et tout. Vous vivez en cercle clos avec le manifeste du Parti communiste, les peuples opprimés vaincront, les écrits politiques de Mao Tse-Tung. Vous avez les écrits de Che Guevara, machin. C'était l'angélisme révolutionnaire. Mais arrivé sur le terrain, ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Je suis sûr que c'est même la première cause de défection. Bon, ce que je n'explique pas, c'est que ces gars, en partant, ils partaient les arbres. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils pouvaient quand même laisser les arbres. Mais ils partaient. Parfois, c'était 20 personnes qui désertaient. Le maquis de Mouloudou a vraiment, c'est le maquis de désertion, c'était quelque chose d'incroyable. Les gars, moi, je dis, ils n'avaient pas imaginé la difficulté de la tâche. Ils n'avaient pas imaginé. Moi, c'est mon explication. Donc, il y a Monsieur Esomba qui demande si les différents maquis avaient les mêmes motivations. Il y a Monsieur Jean-Didier Onana, pourquoi toujours parler du maquis de l'Ouest ou encore du génocide Bamileke? Où est la place des populations du Mungo qui ont perdu leurs enfants dedans? Je lis un peu les questions en rafale pour qu'elles ne se perdent pas. Pourquoi toujours parler du maquis de l'Ouest ou encore voilà? Voilà, on lui répond, voilà. Par Bon, la suite. je voulais lui répondre, voilà. Je voulais lui répondre. Oui. Pourquoi est-ce que des gens n'écrivent pas sur le maquis du Mungo? Voilà. Il faut écrire. Le maquis au Mungo était terrible. Mais il faut écrire là-dessus. Si ce monsieur est du Mungo, qu'il écrive, qu'il nous décrive le maquis du Mungo. Oui. C'est vrai Qui qu'en nous écrive? général, quand les gens n'écrivent pas, l'histoire finit par disparaître. C'est Oui, vrai que si les gens écrivent, l'histoire. moi je vous dis, le Mungo était un endroit où les fonctionnaires refusaient les affectations. Moi je vous donne cette information. Nous sommes arrivés à Tchang en 1964. Je vais vous raconter quelque chose. Mes parents avaient décidé de passer par Douala en partant de Yaoundé. Arrivé à Hong Kong, il y a une route, là je crois qu'elle passe par Melong, direct pour arriver à Tchang. Donc, mon père voulait qu'on passe par là. Mais comme le maquis chauffait, il a dit non, je vais me renseigner un peu sur le préfet. Nous sommes partis chez le préfet. Il s'est présenté, ah, c'est moi, tata, je suis africain, enchanté. Il a demandé au préfet, je viens vous voir pour savoir si je peux emprunter la route de la plaine d'Ambo. Ah! Le préfet lui a dit qu'avant 5 km, vous serez déjà mort. N'essayez même pas. Avant 5 km, on vous aura déjà égorgé. Donc, moi, j'ai aussi. C'est comme ça donc, que nous sommes passés par Bafang et nous sommes allés passer par Bafoussam.
Et nous, je me rappelle bien, nous avons déjeuné à midi chez Semende, parce que Semende, et nous sommes voisins du village, dans la contrée. Et Semende, c'était le camarade de classe de ma mère, à l'école, à l'Orodorf. Donc nous avons mangé à midi, il était à l'époque capitaine, à Bafoussam. C'est comme ça que donc, nous avons rejoint Tcham. Donc je vous cite cet exemple pour vous dire qu'à main longue, le frère dit, n'essayez même pas, n'essayez même pas. Oui, donc. Si vous ne décrivez pas, si vous ne racontez pas le maquis de le maquis de comment on appelle, du Mungo, comment voulez-vous pas que... Très bien, c'est tout ce qu'il y a comme question aujourd'hui. Je crois qu'on va mettre un terme à l'émission de ce soir. Et en attendant que, en vous souhaitant bonne soirée à tout le monde qui était là, en vous remerciant à tous ceux qui ont participé au débat en posant des questions très intéressantes comme vous l'avez fait. Et alors, on va vous dire très bonne soirée. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Je laisse Monsieur Hénaud conclure l'émission. C'est lui l'invité d'honneur. Non, qu'est-ce que j'ai à dire? On va finir le cycle des maquis mercredi prochain, s'il y a émission, sinon ce sera l'autre mercredi. Et ce sera une page importante de l'histoire du Cameroun de raconter le maquis au Exactement. Cameroun. Oui, Exactement. moi je pense que, bon, les gens, je n'ai pas tout raconté, hein, je ne sais pas tout, mais déjà ce que j'ai pu glaner et que je mets à la disposition du public, déjà, c'est de bonnes Merci. pistes que vous pouvez explorer. En tout cas, un OK? grand. Donc, mercredi, peut-être qu'on va finir avec le maquis et puis on verra d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. OK? Très bonne soirée alors. Merci. Et à vous tous, ceux qui avez pris la peine de nous regarder.